ça passe plus. Voilà, donc ben, il pleut toujours, hein. Zut, zut, zut. Hein. Voilà, eh bien, là tu m'as surpris, là. Là tu m'as surpris parce que là, bon, j'attendais le temps de lancer la vidéo, enfin la nouvelle vidéo, oui, parce que là, Pascal, je te l'ai pas dit, mais on est parti pour un troisième épisode. Ah bon ? Ah bah, l'autre chose. là, mais le truc, c'est que c'est dommage, mais dommage que de l'autre côté, ça capte pas parce que, ça se trouve, de Bergerac en USB, hein, ça aurait été bon. Eh oui, mais bon, comme tu as pu voir, je suis pas des mieux placés. Quoi. Et là, il y a 5-10 minutes, là, tu as loupé quelque chose. Là. C'était un petit peu la cacophonie, là, sur le coup. Et bah, du côté, justement, de Guitre, Montpont, Ménestérol, Ribéra, qui est là, dans ces coins-là, il y avait les stations fixes, les stations mobiles. Ça se surmodulait un petit peu. J'ai voulu en placer une. Du coup, on m'a même pas entendu. Là, c'était. Et puis, paf, d'un seul coup, ça s'est calmé. Ah, ouais. Bah, là, je te dis pas, à Castillon, il y a du QRM en ville, hein, dis donc. Bon, ouais, je sais, j'ai remarqué ça. Hein. À chaque fois que j'ai Mario en fréquence, du moment où je rentre dans Castillon, c'est foutu. Je n'entends plus, quoi. Ah, ouais, et puis alors, dès que t'es à côté des feux, là, bonjour. Ouais. D'ailleurs, t'as remarqué, hein, là, que, où que ce soit, d'ailleurs, tiens, j'ai remarqué un truc, c'est le petit bonhomme, là, pour les piétons, suivant comment il est rouge ou vert, t'as pas le même QRM. Ouais, quand t'es à côté d'un feu qui clignote, alors là, tu les entends, les QRM, là. Ouais, ouais. Et là où c'est marrant aussi, c'est que quand je passe, là, à Saint-Pédarmand, non, pas Saint-Pédarmand, les Bigarous. Là, sur le entre Saint-Pédarmand et Libourne. Ben là où tu es passé tout à l'heure, le radar, eh ben, il te fout des QRM. Donc déjà, tu es averti de la présence du radar avant même d'arriver dessus, quoi. Enfin, ou à quelques mètres, pas loin d'arriver dessus, quoi. Ah oui, ben là, tu m'étonnes. Voilà. Alors, as-tu trouvé ton bonheur ? Enfin, avez-vous, puisque là vous êtes quand même 5, hein, je crois, dans la voiture, avez-vous trouvé votre bonheur ? Ah bah oui, là, on a fait les courses, on a été se balader et tout ça, ouais, c'est bien sympa, hein, il y a pas mal la zone, là, à Libourne, hein. Ah oui, affirmatif, tu es allé uniquement sur Carrefour ou t'as fait également les deux autres zones ? Non, on en a fait qu'une, hein, parce qu'il fallait absolument qu'on rentre après. Et oui, puis comme qui dirait, t'es pas d'ici, ouais. Pas bien loin de Bergerac, toi, mais bon, il y a quand même, je crois, une 47 km. Ah tiens, je croyais, ouais, bon, 47, 50, ça va, ça vient, quoi. Suivant la température, la route, elle se dilate ou elle se rétrécit, quoi. Oui, non, mais bon, tant que les kilomètres s'allongent pas, ça va. Ouais, ouais. Autrement, oui, là, vous repartez là, demain matin, là, sur la région parisienne, ou demain après-midi ? Attends, là, j'ai envie, là, j'entends plus. Ouais, je crois que j'ai remarqué, oui. Ouais, je vois où tu étais, ouais. Ouais, ouais, c'est vrai que je serai pas en train d'enregistrer, je te sortirai bien une connerie, car on connaît bien le secteur. Je dirais, allez, qu'est-ce que je veux dire ? C'est normal que tu aies eu des QRM, j'en dirai pas plus. Mais il y a une espèce de magasin, là, dès que je suis passé à côté, waouh, là, ça m'a éclaté les oreilles, hein. Ah ouais. un magasin, alors attends, côté gauche ou côté droit? Bah disons que comme j'étais en repartant, je suis du côté droit, c'est apparemment du droit. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah mais il n'y a pas un truc de contrôle technique, je crois, ou un truc comme ça? Oui, bah c'était juste après, oui, voilà, c'est ça. Ouais, d'accord, ok, je vois.
Le contrôle technique, fait bien quand on y va, il est à droite. Hein. Non, mais là où il est, il a passé Castillon. Il a passé les feux et c'est en remontant là en direction vers le Lidl. C'est donc là, il y a, je sais pas si c'est un contrôle technique ou un garage. Oui, il y a quelque chose comme ça, soit un garage ou un contrôle technique là qui est sur la droite là, effectivement, oui. Quand je pars, il me semblait que le garage était à gauche. Ouais, je sais plus, peu importe. Oui. Bon, là, je pense, là, à ma gauche, il y a un restaurant et une rangée de platanes, là. D'accord, c'est quoi le nom du restaurant, hein? Le Mournant. Le Mournant? Le moment, tu veux dire? Non, j'ai pas compris. C'est un lieu dit là maintenant, là. C'est un lieu dit. On arrive à. C'est la Lidoire, le cours d'eau. Après, là, fond là-dedans. D'accord, ok, ouais. Ah oui, ça y est, Fabienne vient de m'expliquer. Ouais, ok. Là, d'accord, je vois où t'es, là. Eh bien, c'est dans le creux, là, tu es, là. Là maintenant, j'ai dépassé tout ça. Et je suis vers une zone à 70, là. Oui. Un peu avant, tu as eu le Lidl, là, sur la. Lidl, c'est Lidl ou Leader Price, hein? Leader Price. Ouais, t'as eu le Leader Price, là, qui était sur ta gauche. Et ouais, je vois très bien où t'es. Ouais, alors là, le gag, c'est que t'as marqué, là, t'as un passage en Dordogne, après tu reviens en Gironde pour retourner ensuite en Dordogne. Là, le découpage, il est assez bizarre, là, au niveau du département. Ça arrive. Il y a même. Moi, j'ai vu ça en ville, hein, carrément. Hein. Tu sortais de la ville et puis tu rentrais toujours sur la même route. Hein. Ah oui, d'accord, carrément, quoi. Alors, si tu regardes bien plus loin sur la gauche, tu vas voir une antenne. Enfin, tout du long, là, il y a quelques antennes là, qui traînent. Ok, alors tu as dû passer juste avant, je crois, ouais, je crois que c'est ça, juste avant Montravel à droite, il y a une propriété, là, il y a un radioamateur là, qui est là. Ouais, je comprends, vu ton grand âge, t'as la vue qui baisse. Et plus loin, vers les Réaux, là par là, dans ces coins-là, tu as Billy 2-4. Hein. Ah, ok, ah, bah, d'accord. Dans ces coins-là, je peux pas dire exactement. Après. Ah oui, attends, je sais plus. Christian, là, il se trouve où déjà? C'est vers. Je sais plus, il me faudrait une carte. Je regarde ça vite fait. Voilà, je viens de passer le panneau 40 km Bergerac. D'accord, ok, bah ben là, hein, de toute façon, là, ça passe bien pour le moment, hein, malgré qu'il y a la colline. Là, c'est vrai que pour les écouteurs en DX, de toute façon, le relief, on s'en fout, ça passe quand même. Mais en QSO local, c'est les ondes de sol, là, pour le coup, et c'est pas terrible. Là, ça trouve vite sa limite, quoi. Alors, mieux vaut, si vous devez faire construire, hein, construisez sur une colline, là, c'est que du bonheur, même pour la télé, d'ailleurs. Ouais. Retourne heureux, Pascal. Ok, bah, là je viens de sortir du petit bled, là je suis en phase de sortie. Hop, je sais pas ce que c'était, j'ai bout de carton, je sais pas quoi là. La motte, ouais, c'est fini. Hop, voilà, donc on va continuer. On va accélérer un petit peu. La motte Montravel, je crois. Oui, bah tiens, voilà, ça y est.
J'ai la carte devant les yeux. Je vois une tache là sur le plan. Ah, désolé, je crois que c'est toi. Ah ben tu sais que là c'est tellement rare qu'on a l'occasion d'avoir une célébrité là sur la région, hein. Alors forcément là ça égaye un petit peu, on est tous contents là. Non mais attends, tu t'imagines quoi là? On n'est pas sur les fréquences PMR, hein. On est sur la CB, hein, donc forcément ça porte beaucoup mieux, hein. Ouais, bon, on évitera de s'étaler sur d'éventuelles blagounettes sur les éventuels propriétaires de ces maisons. Non, non, on va pas le faire. Non, je déconne, c'était histoire de... En même temps, ça m'a permis, toi, pendant que je racontais des conneries, ça m'a permis de trouver le QTH là, de la station, justement, comme je t'expliquais, à cause de la colline, là, forcément du côté Bergerac, je suis très limité. Et voilà, j'ai trouvé. Je connais une station, là, Christian, qui est sur Sainte-Foy-la-Grande. Tu vois, c'est le nom que je cherchais là, cet après-midi, là, quand tu étais au QRA. Et même en BLU, ça arrive à être short. Ça va pas dépasser Sainte-Foy-la-Grande, Sainte-Foy-la-Grande, Sainte-Colombe, c'est pourtant pas très loin. Mais en BLU, avec la puissance pourtant des deux côtés, eh bien, ça va pas dépasser les Santiago 2. Voilà. Alors que de l'autre côté, eh bien, de l'autre côté Bordeaux par exemple, eh bien, je vais arriver à discuter sans problème avec JP, pas JP, je veux dire avec JFK, qui lui va être en mobile sur la rocade de Bordeaux, qui est là par contre est à 50 km d'ici. Ouais. C'est toi comme quoi là, la position géographique est assez crée des situations assez hallucinantes quand même des fois. Hein. Ok, QSY de suite sur le canal 25 en USB, c'est parti pour moi. Voilà, ça y est. Ok, voilà, j'y suis là. Donc, je te laisse le temps un petit peu de me clarifier. Voilà, donc canal 25 USB, comme on peut le voir, 27 fréquents, 27 245. Pascal, Démir 18 du forum Les Ondes du Routier, es-tu là? Oups. On retourne à la pêche. Oui, Pascal, passe sur le canal 25 en USB. Pascal, est-ce que tu es là? Ben, j'ai pas compris ce qui s'est passé là. Il y a eu, bon, ben, peu importe, hein. Peu importe, c'est pas grave. Peut-être que j'ai voulu aller trop vite, je sais pas. Bah tu m'étonnes. Là, je suis avec la puissance du poste, hein. D'accord, ok. Alors tiens, voilà, toi, là, je viens d'enclencher en même temps le tosmètre incorporé, histoire de montrer un petit peu. Eh bien, j'ai un de tos, voilà, c'est merveilleux. Voilà comment ce qu'on appelle une antenne bien réglée. Les réos, ben, pas de souci, hein. Tu as, ben, c'est là que tu as la Billy de 4 là, qui se trouve là, dans les parages. Ok, bah toi, j'arrive justement dans le premier rond-point de Réau,
Ouais, ben là, t'es pas très loin de chez lui, là. Ouais, non, mais j'ai bien compris que tu étais en train de tricoter, là. Pendant que j'y pense, au niveau du forum, quels sont tes projets, là, au niveau des salons, des trucs comme ça? Est-ce que tu as éventuellement des dates de prévues, hein? D'accord, ok. Ah ben c'est sympa ça. Voilà ce que j'appelle des news. Donc là, on aura du renfort avec nous. Donc ça, c'est génial. Oui, bien sûr, oui. Ce qu'il y a, c'est que il faut que tu arrives à avoir la même place qu'on a eue là pour 2013. Là, juste devant l'estrade, là, ça a été génial. On a pu tout placer comme il faut, mettre la banderole suffisamment haute, tellement haute que personne n'a pu y échapper. Et t'as vu là, c'est vraiment, vraiment, vraiment la meilleure place là pour attirer du monde. Hein. Enfin, pour attirer du monde. Non, ça fait racoleur de dire ça comme ça. Là, c'était vraiment la meilleure place là pour avoir un maximum de monde. Ouais, bien sûr, affirmatif. Quand on a fait le salon, il me semble qu'il nous avait dit que le prochain coup, il se mettrait avec nous, hein. Là, on fera un truc en commun, quoi. De mémoire, ouais, je crois qu'il nous avait dit ça, quoi. Ouais, il faut. Bah, de toute façon, oui, c'est le but, hein. Renaud, je crois que là, il était en vacances. Il m'a semblé voir sur Facebook là qui revenait en France, je crois. Ouais, il a dû profiter un petit peu là de ses vacances, là, j'ai l'impression. Ouais, affirmatif, ouais. Ouais, je reprends. Ok. Autrement, à part Marraine, est-ce que tu as d'autres salons radio là en projet, hein? Au moins, ça te fait visiter le secteur. Ouais, donc là, pour le moment, tu m'avais parlé de d'autres salons où tu irais plus en spectateur. Tu peux me les reciter là si tu t'en souviens? De toute façon, oui, effectivement, là, toutes les dates sont déjà mises sur le forum, via également ton blog, hein, sur Skyrock. Donc, c'est facile de retrouver tout ça. Autrement, Bernard, pour ceux qui ne connaissent pas, FFUCB, nous avait parlé d'un salon radio là, vers le centre France. Pas très loin de chez toi, je crois. Là, je sais plus trop. Alors, attends, j'ai la carte là devant les yeux.
Il me semble que je ne sais plus si c'est sur le département 18 hein, ou dans ces eaux-là. Là, moi, j'ai pas de nouvelles là pour le moment. Est-ce que toi, t'en as eu? Ouais, bien sûr, ouais. De toute façon, là, c'est vrai qu'il nous avait parlé de ça, c'est à voir. Et autrement, au niveau du forum, là, est-ce que tu as des projets, là, de nouvelles idées, là, sur le forum, qui est déjà très, 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 très complet? Ouais, bien sûr, ouais. D'autant plus que sur le forum, il y a une partie qui est pour les visiteurs, et là, ça aurait été très facile de pouvoir s'expliquer, quoi. Hein, cette partie-là, elle est ouverte au public, hein, non, je sais plus. Voilà, ben, je crois que là tout est dit. Autrement, ils peuvent également retrouver le forum, ben, soit évidemment, comme tout le monde le sait, par Google, mais également par l'intermédiaire, par le biais du blog, Twitter, Facebook également. Donc, par tous ces biais-là, là, c'est très facile de trouver le forum dont je rappelle le nom, Les Ondes du Routier. Gardonne, non là je vois pas, là je connais pas, là je vois pas trop là où c'est là. Et ça passe bien encore, hein. Bon, ouais, ben là tu m'arrives encore avec un bon Santiago de 2-3. Voilà, bon, la radio est de 4-5, ouais, 5. Bon, j'ai dû réajuster un petit peu le clarifieur avec l'éloignement, mais bon, c'est pas bien méchant, quoi. Là, je t'entends toujours aussi bien. Oh ouais, ben, et là, t'as un petit peu de puissance derrière ou t'es qu'avec la puissance du poste? D'accord, ok. Ben, puissance du poste, voilà, j'ai fait un petit zoom là sur le hertzmètre et ça passe bien, hein. Bah, tu m'étonnes, surtout que là on est en BLU, donc là oui évidemment, hein, là tu m'étonnes, mauvais micro, mauvaise émission, hein. Là c'est clair. Hein. Bah tu m'étonnes, c'est pas pour rien que la plupart des routiers espagnols l'ont cette antenne. Hein. C'est vrai qu'ils sont faciles à reconnaître, les Espagnols. Hein. Quand tu vois une Santiago 1200 de fixée sur le rétro, hop, tu sais que c'est un Espagnol qui est dedans. Hein. Ouais, ok. Je sais plus à quel endroit c'est, mais tu as un radar automatique là dans le. À moins qu'il soit plus loin, je sais plus. Voilà, je viens de Montpellier.
Je viens de rentrer dans le clair au lieu de tourner du côté de Bergerac. Oh, ça sent celui qui a encore des courses à faire. Ben non, ça sent celui qui est plutôt perturbé. c'est sûr qu'avec avec 3 YL dans le push, t'as de quoi être perturbé là. Ah oui, oui, mais c'est mignon là, les petites YL. Hein. Bon, j'espère qu'elles ont apprécié quand même le petit passage c'est chez nous. Ah bah oui, y a pas de soucis, hein. T'as apprécié par tout le monde. Hein. Ouais, attends, hey, rajoute-en pas d'autres. Pas de, ah zut, rajoute-en pas trop. On a fait du mieux qu'on a pu pour accueillir tout le monde. Puis voilà quoi. Bon, j'espère que ton fils a bien apprécié la station. Que ça doit commencer à lui chatouiller les doigts un peu là. Alors, je vais y passer le micro, tiens, et il va t'envoyer les 251. Alors ça c'est du bref. Moi je m'attendais à une phrase bien faite, là, quelque chose de bien long, bien radiophonique. Et là, waouh, ça c'est court, net et précis, hein. Ouais, donc pour l'instant, il est surpris en fait. Ouais, non mais je reconnais, je vois bien de qui il tient, hein, y a pas de problème. Hein. Ok, je reprends. Ouais, quand on voit que le père est déjà assez timide, forcément, hein, les chiens font pas des chats. Hein. Ouais, non, mais je sais bien, les débuts sont toujours assez angoissants, puisque quand c'est cet été, en allant au pro là sur Bordeaux, j'ai eu un nouveau cibiste, mais nouveau de la première heure, hein, pas un ancien qui revient en fréquence, et du coup, eh bien, il a fallu que je fasse du monologue. Puisque à chaque fois, la personne, quand il répondait, c'était pour placer un ou deux mots, mais pas plus, hein, tellement qu'il était intimidé par le micro. Quoi. Et pourtant, un micro, hein, ça n'a jamais mordu qui que ce soit. Quoi. Hachi. Ok, alors je suis dans un creux, alors je ne sais pas si tu arrives à me sortir. Je suis à 22 km de Bergerac. Si, et je suis en train en même temps d'entendre la télé derrière. Tu sais ce que tu es en train de me faire louper là? Le Dakar. Là, il y a le Dakar qui passe en ce moment à la télé. Il y a Fabienne qui est en train de le regarder là, pendant ce temps-là. Pendant que moi, là, eh bien, voilà, je suis en QSO avec toi. Mais tu ne me déranges pas, loin de là. Hein. C'est un réel plaisir de pouvoir enfin là, discuter avec une célébrité. Hachi. Ah, mais j'espère bien. C'est pour ça que j'en fais des tonnes, de façon à que tu aies bien mal aux chevilles. Ouais, et ben c'est pas réciproque, parce que là je suis en train de te perdre. Là c'est du Santiago 05, et encore je suis gentil en disant ça. Ok, alors vu que la réception a pas été top, tu es donc rendu là à Pineuil. Et tu es à 20 km de Bergerac, et là, ça c'est un petit peu la limite, parce que là, c'est maintenant là, du Santiago 0, radio 3-4, assez faible hein, quand même. Là, ça commence, là, on sent que c'est la limite. Hein.
Ok, eh bien, je suis pas sûr que là, sur la vidéo, on t'entende, là, sur le final. Les bonnes 73-51 à toi, la bonne route, bonne rentrée pour demain, car là, on touche vraiment à la fin, là, c'est vraiment, on a vraiment atteint la limite, limite. Là, tu verras ça sur la vidéo, c'est-à-dire, voilà, 30 minutes. Voilà, si tu pousses le curseur à 30 minutes, là, tu verras vraiment le final. Là, on a vraiment atteint la limite. Allez, les bonnes 73-51 à toi ainsi qu'à ton fils, les 88 aux YL. Et à bientôt! Ok, là j'ai eu. Là ce coup-ci, c'est moi qui ai eu énormément de mal à te sortir. Là, on est vraiment rendu à la fin. Allez, bonne route et prudence pour demain pour rentrer sur le 77. Bye!